Libération ancien sénateur là, Guy Philippe, mesdames et messieurs. Guy Philippe, j'en sa te prévoir, te gagné pour jouer une libération, aïe 6 septembre 2023, elle tape tout rentré en dans pays d'Haïti. Ça qui veut dire, moun takou Nenel Kasi, moun takou Jocelyn Privert, moun takou Camille Edouard, comment se ranger comme nous, parce que Guy Philippe lui-même, lui t'a déclaré, lui gagné un tasse café en main, pour le boire ensemble avec nous chaque grenin, qui t'a pas participer de près ou de loin n'en fait États-Unis déposer la patte sous lit. Rete là, nous prajoine détail. Rebondissement dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là, mesdames et messieurs, côté gayoun colombien yo jodi à la qui pral gagner pour le plaider coupable alors que auparavant li te plaidé non coupable. Nous pral konnen exactement qui est Colombien ça y est et pour qui ça li décidé plaider coupable dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Lucner Désir alias Louko Désir, mesdames et messieurs, pour chimer la presse pour être capable de dénoncer eh bien action en justice que commissaire gouvernement prend contre lui qui c'est Edler Guillaume comme quoi l'état a poussé gang capable fait ça au vrai en de pays à travers une déclaration il était arrivé fait l'état fait yo constat de situation pays d'Haïti arrêté là nous prenons le temps des déclarations Lucner Désir alias Louko qui c'est animateur principal maté débat sous télé éclair. La police nationale d'Haïti, dans un reportage, est bien arrivé présenter Jean-Pierre Vellum et Pierre Erol de présumés kidnappés et assassins qui t'a kidnappé Yotimoun qui gagnait seulement 11 l'année. Nous pourrons suivre présentation avec la police pour nous joindre plus de détails de information si là. C'est toute information ça avec divers lots qui préfère essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola. Non pas c'est Fabula Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capable rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous même qui like, qui commenter, qui partager. Merci ensemble avec vous même qui toujours invité. Yo monde qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Jodi a c'est jeudi 7 septembre 2023. Je dis 7. Ah, fabuleux, Gessou. 7 septembre 2023. Mesdames et messieurs, dossier libération Guy Philippe, c'est lui-même qui a fait actualité. Dans le moment où on a parlé là, tout le monde a posé cette question. Est-ce que oui ou non, je dis, Guy Philippe a atterri tout bon vrai en dans pays d'Haïti? Jean ça te prévoit, Jean avocat lui-même t'est arrivé dit ça. Est-ce que c'est pas une sorte de lobbying qu'a fait pour Guy Philippe capable rentrer sans moun yo pas connait, soit rentrer demain si Dieu veut 7 là tout bon vrai ou du moins ça lui rentrer 8 ou bien 9, mais Guy Philippe a en dans pays d'Haïti dans mois septembre 2023 quand bien même il décidé pour lui capable régler compte lui ensemble avec yo paquet ancien politicien en dans pays d'Haïti, dont deux anciens sénateurs et un ancien président, et puis yon ancien ministre la justice dans l'époque, yon tapral mette Guy Philippe en bacode sous Jocelyn Privert. Bagayo compliqué parce que nan moment là yo fait connait que ancien sénateur ni plan Nenel Kasi li pa konn exactement qui côté pour mettre quoi encore puisque Guy Philippe pral débarquer. Est-ce que pour une fois, nous pral jouer Nenel Kasi qui pral admettre que li konn participer dans un criminel en dans pays d'Haïti? Est-ce que nous pral jouer yon Guy Philippe qui pral dénoncer tout le monde? Li te konn collaborer ensemble avec yo. Est-ce que nous pral jouer yon Guy Philippe qui pral dénoncer action que quelques moun te konn fait et puis il était au courant parce que selon certains, Guy Philippe est l'homme de la situation. Mais est-ce que Guy Philippe est vraiment l'homme de la situation après plus de 6 ans passés en prison? Guy Philippe seulement a constaté de loin qui ça qui a passé en dans pays d'Haïti. Guy Philippe pas évolué ensemble avec situation actuelle pays d'Haïti. Guy Philippe pas évolué ensemble avec nouveaux politiciens qui gagnent en dans pays. Est-ce que Guy Philippe lui-même il pourra comprendre qui genre pour le moyen terrain? Est-ce qu'il pourra comprendre qui genre
gens pour poser pied sous terrain, c'est ça qui est vraiment important parce que nous pas capable courir la responsabilité nous sous dos. Yo seul monde encore une fois peuple haïtien continue à faire erreur mesdames et messieurs parce que la chercher yon héros parmi monde qui était là déjà yo qui peut ko régler rien sérieux pour pays a ou du moins qui pas décider régler rien sérieux pour pays a. Peuple haïtien dans moment n'a parlé en là a cherché yon héros. Il a cherché yon moun ki capable guider yo malgré tout mauvais coup, malgré tout coup bas, malgré tout coup de poing nan dos, yo prend ensemble avec soi-disant leader, yo remet bataille peuple là nan men yo, mais yo toujours a cherché yon leader. Yo toujours a cherché yon héros et c'est ça qui problème nous actuellement là en dans pays d'Haïti, nous pas capable prendre responsabilité nous pour compte corps nous. Nous toujours besoin c'est yon moun qui pour aider nous prendre responsabilité si là. Nous toujours besoin c'est yon moun qui pour prendre pour nous. Alors que nous gagnons toute possibilité on a mais nous gagnons toute opportunité, toute capacité, tout moyen yon nan men nou pour nous capables destituer gouvernement sa ki la jounen jodi an. Je me dis sous taxe 609 et je m'ap dis pa bo ici an sous plateforme pa nou, m'a fait nous connaître que quitte ou te vaudouisant, quitte ou te protestant, quitte ou te baptiste, quitte ou te catholique, quitte ou te pentecostiste, ou te témoin Jéhovah, ou te mormon, ou te bouddhiste, n'importe soye, problème qui gen an pays d'Haïti la, li pa yon problème ego, li pa yon problème intérêt, li son problème général et général vle di problème nan son problème haïtien qui doit résoudre par haïtien qui donc leve kapé prend responsabilité nous. D'ailleurs nous capable qui est fait mouvement bois calé a lui-même il était fait. Donc je vous dis là nous ouais que nous c'est un peuple qui fort, nous ouais que nous c'est un peuple qui gagne avenir, nous ouais que nous c'est un peuple qui capable gérer et prendre en main situation actuelle pays d'Haïti. Il suffit que nous suspendons chercher leader non mais parmi paquet moun sa yo ki te pran nou, yo te matirize nou. Il suffit que nous suspend chercher leader parmi moun sa yo ki pran bataille peuple la, yo passe l en bas pied. Rebondissement affaire assassinat président Jovenel Moïse la. Dossier qui te font ti calme au niveau international, eh bien dossier relancé. Dossier ça, mesdames et messieurs, son dossier qui bay gros tête chargé. Eh bien, Gaye German Rivera, joun nan Colombien yo ki se yon ex-militaire, ki te plede non coupable nan jou ki sot passe yo la, décide plede coupable nan dossier assassinat président Jovenel Moïse la, jodi a même parce que li di, li décide collaborer avec la justice, pour ki sou estomac la trop lou, fok li kapab bay la vérité, fok li kapab bay ki sal konne. Dans le dossier assassinat, président Jovenel Moïse m'a rappelé nous que Rodolphe Jean, c'est premier monde qui était plaidé non coupable, en fait, qui était plaidé coupable dans le dossier assassinat, président Jovenel Moïse. Mario Antonio Palacios, Palacios, si même pas beaucoup te parle, te plaide non coupable, côté elle te dit, li pa konan yen, li pa gen an yen pouwe, ak assassinat président Jovenel Moïse, et m'a rappelé nous. Autopsie cadavre président montre que c'est un crime qui était bien organisé puisque yo maltraité Jovenel Moïse, yo martyrisé Jovenel Moïse bien avant yo assassiné, yo crabiné avec plusieurs cartouches dans l'estomac, yo bay plusieurs cartouches dans la tête et mes président mouri Momati. Donc journée jodi an là nous gagne juge Walter Wessel Voltaire qui a travaillé sur dossier assassinat si là qui jusqu'à présent lui-même li poko capable prendre bon décision et créer moyen surtout la justice pour capable aider juge dans lui-même joindre bout monde ça yo go paquet moun juge a tendé dans dossier là moun qui vraiment évolué en dans dossier assassinat président Jovenel Moïse yo ko jam tande yo. Donc moun sa yo yo supposé tande yo dans dossier et pour ça faut que la justice peut-être tout moyen à disponibilité juge Walter Wessel Voltaire pour capable bien détruire dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Nous pral tande crier, nous pral tande rele à la crier qui pral gen c'est le dossier ça atterri.
À l'arrêt l'équipe ralgen, c'est les dossiers, ça atterrit. Garantis-nous, go paquet moun nou pas de jambes pensé qui était capable participer dans zak assassinat qui pral gen non yo cité dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là et c'est pas bagay qui piti. Information mesdames et messieurs, eh bien République Dominicaine ferme frontières qui relie lui-même avec Haïti au niveau de Dabon et c'est une décision de haute sécurité selon eux même yo arrivé prend. Bah kon si c'est parce que Guy Philippe pral rentrer dans pays a, bah kon qui ça qui fait ça, mais yo prend disposition pour yo fermer frontières qui relie pays d'Haïti à République Dominicaine au niveau de Dabon. Bagayo compliqué. Bien avant nous entrer dans Kaloko Désir, il faut que nous disions Jake Sullivan, qui est conseiller dans le département d'État américain, déclaré que les États-Unis ne comptent pas envoyer une force militaire internationale ou multinationale pour capable gérer la situation de crise qui est actuellement là dans le pays d'Haïti. Nous capable de une crise humanitaire puisque l'IO niveau de tout ça qui existait dans le pays. Li au niveau de l'éducation, li au niveau de l'alimentation, li au niveau de la sécurité, li au niveau, mesdames et messieurs, de la santé, li au niveau des infrastructures, son crise humanitaire aiguë qui gagne actuellement là dans le pays d'Haïti. Et mais selon Jake, les États-Unis pas décidé pour être capable de voyer intervention militaire dans le pays. Mais est-ce que décision, ça c'est décision États-Unis? Je rappelle que c'est décision ONU que l'a gépouillé, mais tout c'est États-Unis qui a dirigé ONU dans le mois de septembre. Ça là. Donc, je ne vais nous étonner, le noue que Mounsayo fin printemps ça, et puis yon dou, yon pap ka voye yon intervention militaire, yon pral dépense yon paquet kob, puis yon soutenir la police nationale d'Haïti afin pour gérer la situation, et ça, la police même n'est pas capable d'arriver à faire, même si vous avez formé 10 000 policiers, parce que vous n'avez pas de chita sous tête la police qui empêche de faire travail correctement. Louko Désir, mesdames et messieurs, Andy Luckner Désir alias Louko, et bien lui-même, il parle. L'a explique nous exactement comment il prend déclaration. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Edler Guillaume, ensemble, entend les déclarations Louko Désir. Je suis capable de continuer, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est le gouvernement qui va décider pour inviter nous, souillons et opinions que je mette dans l'émission de débat. Parce que ce n'est pas une information que je débat, c'est une désinformation que je fais. Donc, c'est une opinion que je émette. Et dans le débat. Et qui c'est réalité là? Bien entendu, la façon que nous communiquons là, et ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord à la façon que nous communiquons là. Mais comme si la justice a fait travailler, comme le gouvernement, chaque petit bagage nous a ici. Donc, je mène le saisir pour faire marcher par devant la justice. Donc, nous allons répondre à la question du commissaire gouvernement donc, vendredi prochain, donc, avec tous les avocats, pour nous expliquer donc, que ça nous devrait dire. Bien entendu, dans l'émission de débat, nous avons rectifié, ça nous devrait dire. Et puis, deuxièmement, nous avons besoin de des excuses. Pas excuses parce que nous avons dit qu'on ne va pas équiper ça, non. Mais excusez-moi auprès de fanatiques pendant les débats, fanatiques de Codésio, et parmi la dedans qui ne comprennent pas. Ça me devrait dire. Et finalement, donc, l'imprimé fait rectification. Tout le monde comprend ça me devrait dire. Et de fait, les phénomènes gang sont réalité. Sont réalité. Donc, parce qu'on a pays. Bon, malheureusement, pas jamais, on ne pourrait pas gagner fort qui fait tout ça. Donc, nous-mêmes dans la zone, nous dans la presse, on continue de faire travail par nous. Et matin, les bas sur l'émission d'analyse, de commentaires et de débat. Et de débat contradictoire. Et ça qui est dit en question, c'est que. C'est une petite séquence. C'est à partir de petite séquence ça que pour le gouvernement invité. On souhaitait prendre le temps et le son que dans toutes les émissions, d'après que nous avons fait un débat contradictoire
sur la question. Bon, en tout cas, comme c'est une persécution politique, pour une fois, donc une balle devant la justice, moi je dis Gauchin, donc devant le commissaire gouvernement. Madame, comment vous voyez la réalité, ça veut dire? Bon, écoutez, moi-même, m'entrer, c'est vraiment faire dans le cadre d'une bataille. Une bataille pour retirer le pays à notre lieu. La seule chose, c'est que le difficile pour la famille. Donc, l'organe de famille qui tout à l'heure est aussi, étant découpé la justice, donc moralement, psychologiquement, donc famille pratiquement donc, déséquilibré. Mais moi-même, nous voulons dire, montrer dans le cadre de bataille que moi-même, moi, engagé, ok, pour nous retirer le pays à notre lieu. Parce que matin débat, en 6 ans, donc nous faisons un pile social dans le pays. Et en 6 ans, donc, nous arrivons à changer la perception en plein monde de la politique donc, en Haïti. En 6 ans, il y a des gens qui ne peuvent pas faire l'analyse politique, qui font l'analyse. Donc on a continué. Donc nous, une bataille de changement, il n'est pas jamais facile. Donc on vient en pile en bûche. Et on vient justement qu'il y a des gouvernements, des gens dans le gouvernement qui ne peuvent pas comprendre nous et qui ont cherché bien ce qu'ils ont. Vous devez inviter sur la politique? Oh, sans invitation politique. Parce que écoutez, on me dit pour qui ça me dit là, on est dans le projet vraiment. Quel est-ce qui dit pire? Qui ça que me dit? D'ailleurs, c'est pas une information qui me baille, c'est pas une désinformation qui me fait. Donc, son opinion que je émette, et je dois émettre opinion moi-même. On n'a pas d'accord avec elle. Mais l'article 19 de la déclaration de la déclaration universelle des droits de l'homme. Libre loi ça. Ou bien doit avoir une opinion sur mon bagage. Son opinion que je mets dans l'émission. Et puis, finir le débat contradictoire donc sous opinion que je mets là. Et puis, malheureusement, c'est une petite séquence que vous coupez. Et puis, vous avez le gouvernement. Et puis, le gouvernement lui-même, il invite le locaux de la justice. Donc, la justice. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes une déclaration Louko Désir qui préparait pour les capables à la justice et gouvernement vrai, gouvernement très actif. Hein? Ou gonti bout de vidéo crivé joué nous, ou gete kouri, ouais, faut courir le monde devant la justice. Ou tende, pasteur Marco, t'almene moun kanaran, ou gete besoin de la justice. Mais jusqu'à présent, vidéo côté Jeff fait, la bay moun yo manje, la palé, vidéo côté moun ap mouri ensemble avec Diffé. Jusqu'à présent, bon go kapab rele Jeff la justice. Jusqu'à présent, bon go kapab rele Tilapi la justice. Jusqu'à présent, nous poko kapab rele yo chef de gang, yo mob de gang, nous connaît très bien, qui a opéré en de pays d'Haïti, qui empêche moun yo vivre. La justice, justice sont en fait sous un seul bord. Justice sont en fait pour les plus faibles. Justice sont en fait pour moun qui pas capable défendre tête yo. Mais tant coup pour moun sa yo là, OK qui pote nos Jeff Canaran, pour moun sa yo qui pote nos Iso village de Dieu Atis mafia Modlan, pour moun sa yo qui pote nos vite l'homme innocent, la justice pour qu'on existe pas vrai. La justice pour qu'on capable faire travailler correctement, la justice pas gain matériel, la justice pas gain moyen, pour capable river sous moun sa yo. Donc nous gon problème en da pays d'Haïti, yo problème sérieux pour nous capable gérer parce que me garanti nous si n'a continuer comme ça, café nous toute là capable couler ensemble avec ma. La police nationale d'Haïti te mette en bas corde Jean-Pierre Vellum ensemble avec Pierre Hérold, deux jeunes garçons sa yo qui ta évolué dans kidnapping, yon ti petite 12 ans, en fait 11 ans qui se yon gentifi. Eh bien, parmi yo, gen yon ladan yo qui sont récidivistes, ça qui veut dire qui prend prison déjà ensemble, en suivant un reportage la police nationale d'Haïti sous dossier si la. Dans le cadre d'une enquête sur enlèvement suivi séquestration, une fillette 11 l'année, DCPJ a arrêté Rol Pierre dans date 6 d'août 2023. Toujours dans le même dossier, ça, c'est l'île contre enlèvement, une entité dans DCPJ, des conseils avec la police dans Mibale, après l'arrêté dans date dimanche 13 d'août 2023, Jean-Vélom Pierre, 31 l'année, qui est principal au Tézak Sahar, qu'elle commet sous propre cousine. Jean-Vélom Pierre, qui tape vivre dans même kayak adolescent, dans Jérémy, département Gradance, t'après le kidnapper, entre Port-au-Prince Avel, et puis serrer la Kaizamil, Pierre Wall, dans Pétionville. Dans l'audition dans DCPJ, Jean-Vélom Pierre, à Kérol Pierre,
Avoué ou t'apprend 40 000 dollars haïtiens déjà sous quantité cobiote exigé par un adolescent. Combien de combien au kidnapping? 40 000 dollars. Mais je connais exactement combien de combien je viens. Combien de combien je viens? Moitié. Bah, on est d'abord. On te bat 17 000. On te met 17 000. On chaque fois 17? Oui. Ça veut dire que ça va aller. Ça, tu as acheté ma gagne. On te met à la gagne. Ça me manger. Selon Jean-Vilhomme Pierre et Wall, il y aurait six divises qui fait prison des fois déjà. T'a proposé empoisonner victime là. Bon, ou dit que Ewol te veut tirer Timoun là, dès qu'on connaît Timoun là, tout pas quitter le monde. Comment ça fait? Bon, ça était pas où pour te capturer Timoun là. Bon, lui dit pas moi on remettre, il dit je m'en vais pas malheureux, il dit je suis en folle mort. Qu'est-ce qu'il dit aussi en folle mort là? Et voilà, il n'a pas parlé mais cependant, Léo mette individu yon en face l'autre et Wall fait qu'on est li pa gagné pour ek bagay comme ça. Et Wall, pourquoi tu as mis le là dans le monde ou tu as besoin de tirer Timon? Vous avez besoin de tirer ce plan? Oui, mon courant. J'ai un peu l'impression de faire ça, pour que nous devons commencer à faire. Mais, les bagailles, formules là, chef là, depuis le premier, commence par les arrêter, nous avons fait un balai de désimpact. Et à nos jours, nous avons fait un balai. Ça a arrivé. La police nationale là a continué la bataille sur tout front pour freiner toutes les kidnappings tout partout sur le territoire. Voilà, mesdames et messieurs, nous suivons un reportage ensemble avec la police nationale d'Haïti sur quelques arrestations que l'I a continué à faire. Et si je me rappelle bien, la police nationale d'Haïti mettait en bas code un trafiquant de drogue que nous prenons checker pour là. Dans le moment où on a parlé là. La police, allô la police, qui mettait en bas code un trafiquant de drogue. DGPNH, coordination presse, mettait en bas code un trafiquant de drogue que ils ont interpellé ensemble avec 9251 kg de paille sèche qui semblait ensemble avec marijuana. Ils ont saisi dans mail Jacques Mel. C'est Williamson Claude. Alias Soson qui gagne 23 l'année et qui fait balance, qui a trafiqué drogue, yon interpellé, mesdames et messieurs, par une équipe qui composait de Udmo ensemble avec SDPJ Sud-Est lors de l'opération Silla, dans la nuit 31 août pour rentrer vendredi 1er septembre 2023 à Sainte-Hélène, section communale Banavout, commune de Jacmel. Pendant l'opération Silla, mesdames et messieurs, une perquisition effectuée, la caille Wilner Trazil, acolyte Williamson Claude, en présence juge suppléant tribunal de paix Jacques Mella, une quantité 9251 millième de kilogramme de cocaïne, t'es saisi la caille, eh bien, monsieur Silla. Quelques jours après, yon d'après mette en bas code Williamson Claude et yon te saisi quantité paille Sanamel. Responsable BLTS Sudlan informé, responsable SDPJA, yon fois informé sous l'ordre responsable, yon te débarqué et mette en bas code jeune garçon Silla. Que n'a pas gardé en là, mesdames et messieurs, que la police même mettait en bas code pour trafic de drogue, li gagne seulement 23 l'année. Situation vraiment compliquée en dans pays d'Haïti, nan sa sa. Nous mettez bout là dans la rubrique tout aujourd'hui, rendez-vous cassé dans la journée pour cette information qui pi. Nous avons des informations tombées, faut que nous portions le baou. D'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à tout à l'heure.